Bonjour, bienvenue à mon canal. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette décoration de Noël. Si la vidéo te plaît et tu veux me soutenir, abonne-toi, mets-moi un like et partage avec tes amis. Merci. Pour réaliser cette décoration, nous aurons besoin d'un anneau de 6 cm de diamètre, une corde de 2,50 m et 8 cordes de 65 cm d'une couleur différente. Nous allons commencer avec un nœud feston différent, je vous montre. Nous passons la corde sur l'anneau, ensuite par derrière, sur la corde de nouveau, il se forme une boucle, nous passons derrière l'anneau et ensuite nous passerons la corde dans la boucle qui se forme. Maintenant, nous allons faire un autre nœud, mais nous laisserons un petit espace entre les deux. Nous commençons en passant sur l'anneau, derrière l'anneau, dans la boucle. Maintenant, derrière l'anneau. Et ensuite dans la boucle. Nous répéterons l'opération plusieurs fois, mais cette fois-ci sans laisser d'espace. Arrivé à ce niveau, nous prenons la corde de 65 cm d'une couleur différente et nous ferons des nœuds alouettes. Nous laisserons une corde un peu plus longue que l'autre. Nous répétons l'opération en laissant une corde plus longue que l'autre et en faisant un nœud alouette. Les deux cordes du milieu doivent être plus courtes que les autres. Et nous répétons l'opération.
Maintenant, nous ferons un nœud plat en prenant les deux cordes de l'extrême. Nous répétons l'opération et faisons un autre nœud plat. Maintenant, nous divisons les cordes en deux groupes et nous faisons deux nœuds plats de chaque côté. Nous continuons avec nos nœuds festons et nous en ferons un total de 12 serrés et ensuite un 13e avec un espace. Et maintenant, nous répétons l'opération que nous avons déjà fait avec les quatre cordes de 65 cm d'une couleur différente.
nous tournons notre travail et ensuite nous allons cacher avec l'aide d'une aiguille à crochet les cordes. Nous prenons de la silicone pour coller les cordes, pour les sécuriser, et ensuite nous couperons les cordes qui nous restent, que nous n'avons plus besoin. Et voilà le résultat une fois bien coupé. Ensuite, à l'aide de toujours l'aiguille à crochet, nous passerons les cordes dans les boucles de chaque côté. Maintenant, nous faisons un nœud avec les deux cordes. Un autre nœud pour pouvoir le suspendre. Nous couperons le bout de la corde qui ne nous sert à rien. Et voici le résultat. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oublie pas de t'abonner et de partager avec tes amis. Merci.